coucou la YouTube compagnie, on est mercredi 10 avril. On se retrouve pour un petit retour de course, mais je vous montre pas tout, c'est action. Je suis désolée, j'ai pas mes dents. Donc en haut je ne supporte pas, elle me blesse vraiment beaucoup. Et là ce soir je les ai gardées. Toute la journée, celle du bas, j'ai juste enlevé quand je suis allée me coucher, j'ai remis tout de suite après. Là, je fais un gros bain de douche, franchement, j'en ai juste, on ne pouvait plus. Parce qu'en plus, en bas, du coup, comme j'ai pas en haut, ça vient taper dans où elle a enlevé. Donc, comment vous dire, là, j'ai pris cachet. Le fait de parler aussi, des fois, ça réveille la douleur. J'ai pris cachet, j'ai mis du gel, donc je suis désolée si ça zozote un petit peu et si. Voilà quoi. Un peu de gel parce que vraiment c'est horrible. Du coup chez Action, pardon, je cache un peu la bouche parce que sinon j'ai encore une différence de merde. Donc chez Action j'ai acheté donc mes enveloppes à bulles. Il y avait la lessive que je prends d'habitude en promo, donc au lieu de 3,69 elle était à 2 et quelques, donc j'ai pris, pensez bien à un truc. Donc mes enveloppes à ça. Et j'ai pris ça aussi. C'est de l'acrylique en spray. Que j'ai payé 1,99 les trois là. Pour tester, jamais testé. J'ai envie de tester en fait. Donc on verra ce que ça donne ou pas. Toile, papier, carton, bois. Bien secoué, nanani, nanana. Voilà quoi, les trucs usage habituel. 1,89. On verra ce que ça donne. Et ensuite j'ai pris un bloc comme ça. Je le trouvais particulièrement joli. Et c'est quand même pas trop mal. C'est mon style, je pense. C'est un peu le style du moment. Ah. Ça même chanteuse là, je vous dis pas. Donc le mois prochain ça va être la priorité, elle quick la foufounette, hein, parce que c'est bon quoi. Donc ouais, il est super joli en fait. Je suis venue tout comme ça, les papillons comme ça. Il y a double page, il y en a une brillante et une pas brillante. Non, trop pif. Hein. Allez, ça. Alors, moi, ça, je vais montrer tout ça. Comme ça. Elle est jolie celui-là, j'aime bien. Ah, j'ai tout de suite envie de faire des trucs avec quoi. Je vais même pas le ranger celui-là, je pense qu'on va tout de suite œuvrer. Voilà. J'ai pris ça aussi parce que j'en ai, mais ils sont plus larges. Et j'ai une petite. Mais oui! Mais it is good. Voilà. Et puis bah ouais, mes enveloppes à bulles quoi, voilà. Rien de bien, folichon. Voilà, pour ça. Pour le retour. Je suis pas allée à Nos du coup parce que vraiment j'étais trop. J'avais trop mal aux dents, c'était horrible. En plus, je suis tombée sur une cousine à moi, du coup, qui a discuté, mon dieu, je n'en pouvais plus dans le magasin, je n'en pouvais plus. Un truc de malade. Là j'ai mis le chauffage aussi fort parce que franchement je suis carrément gelée du fion. Donc voilà. Oui, alors je suis désolée. C'est moi dans toute ma splendeur ça. Je vous parle et en même temps en fait, je suis
plus ou moins une petite série qui était conseillée par la chaîne Au pays de Jenny. Voilà. Donc comme j'ai pas mis le son normal, hein, je vous parle, donc voilà. Mais j'ai quand même tendance à vouloir aller voir. Mais je suis là. Par contre, si je viens faire ça, là c'est que je suis plus là, hein, mais je vous parle pas, voilà. Hop, et puis, alors, je sais pas. Moi, il y a un truc que je comprends pas, parce que la plupart des trucs que je regarde, les retours, comment ça s'appelle ça, le haul, Temu, dans la liste d'occasion en une semaine. Je comprends pas. Parce que moi, là, donc on est le 10, et la commande date du 29 mars. Voilà quoi. C'est beaucoup de scrap et tout ça, je trouve bien. Comme d'hab, hein. Agrandissement de la collection Stickers et compagnie. Je ne sais pas, je sais plus si c'est exactement, on va regarder. Je m'envoie pour tout en plus aujourd'hui, ça va être malade. Pour vous dire. I don't know. Voilà. Ah, il y a un moment donné. Ah, désolé pour le bruit. C'est un peu tout là. Je vais peut-être vous penser en fait. Alors, je vous montre les trucs pas scrap peut-être, puis après je pense. C'est mieux. Donc j'avais pris un petit porte-monnaie comme ça pour Charlie. Alors c'est cool parce qu'il est un peu, vous voyez, il est en dur là. C'est pas mal. C'est vraiment, vous voyez, c'est pas mal. C'est une petite console de jeu. Mimi, je pense qu'il va être content. On verra. Bon, après, là, j'ai dit, je vais mettre un peu tout ça de côté. Et on verra plus tard pour lui donner du. Il faut qu'il soit un peu gentil, qu'il range ses affaires quand même. J'arrive à le mater. Et puis, je lui avais pris un petit sac comme ça aussi. Voilà, qui s'ouvre là. Il est pas mal aussi.
Ils ne peuvent pas mettre grand chose dedans, mais le but c'est pas qu'ils mettent beaucoup de choses en fait, hein, tout simplement. Voilà, qui se met, qui se porte. Donc ça s'agrandit. Oui, ça se rétrécit aussi. Bon, c'est pas mal. Je suis contente, c'est bien. Je vais mettre comme ça dedans. Ouais, ça tient, il pourra aussi mettre encore un petit quelque chose dedans. Si c'est très bien. Franchement, c'est cool. Elle est très jolie. Elle est épaisse. Donc, c'est très bien. Le dessin, il est sympa. On a l'impression qu'il ressemble à son papa. Je pense qu'il sera content. D'accord, je lui donnerai. Voilà. Et là, je crois qu'il y a... Je crois que c'est tout. Bon, je sais pas du tout. Non, c'est crasse. Je vais fixer tout. Il y a un autre truc. Il y a un petit micro. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Parce qu'en fait, j'ai commencé à regarder un peu pour faire un tuto pour faire un attrape-soleil là. Et du coup, je me suis dit, non, trop ridicule. Donc, il y avait ces petites perles comme ça. Non, il y a déjà rien qu'avec la lumière là. Comme ça fait. Voilà pourquoi on y attrape. On appelle ça des attrape-soleil. Et il faut vraiment des perles un peu comme ça. Regardez comme elles. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elles sont un peu. Elles sont striées, brillantes. Vous voyez comme ça fait. Donc ça, c'est génial. Il y en a combien dedans? 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16. 24, 26, 27, on a 30, une petite trentaine. Très bien. Très bien, très bien, j'ai envie de vous dire. Donc, je voulais vous faire des tutos. J'ai pas fait. Non, vraiment, j'étais pas assez. Ma tête est pas assez, comment dire, posée, concentrée. En fait, je ne pense qu'à cette putain de douleur dedans là. Donc, du coup, j'arrive pas à mettre sur les trucs que j'ai à faire. C'est un truc de malade, quoi. Bref, j'espère que ça ira un peu mieux demain. Parce que sinon, voilà, quoi, j'ai envie de dire, hein. Voilà, voilà. Bon, et ben maintenant, je pense qu'on va se... Oh, moi, je vais vous montrer ça comme ça, là. J'ai repris un truc comme ça de colle aussi. Voilà. Et le reste, je vous penche. D'accord? Allez, c'est parti. Hop. C'est pas ce que vous voyez là, en fait. Voilà. Donc, il y a du stick, bien sûr. Alors, là, qu'est-ce qu'on a comme stick? C'était beaucoup des trucs à moins de 1 euro en fait. Ah, c'est joli, il y a des ombrelles. Je vais essayer de mettre une petite feuille blanche quand même en fait en dessous. Ça ira peut-être mieux pour voir. Attendez. Hop. Ouais, ça sera peut-être mieux. On va voir. Je vais mettre comme il faut aussi. Tac. Alors, je ne vois pas trop ce que vous voyez en fait. Donc, des petites ombrelles. Une petite femme comme ça. Une autre comme ça. Elles sont très jolies. Ah oui, il y a un bord que j'ai fait l'autre fois.
J'aurais eu ça, j'en aurais forcément mis un, je vous le dis. Ils sont très très jolis. Des petits parapluies encore. C'est bizarre elle, non? Elle qui a le cul, pas au niveau du jour, non? Ajouter un truc à elle. Puis ceux-là, on les a vus tout à l'heure. Hop. Donc, ils sont très jolis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le joujou? Regarde le joujou. Ouais, le joujou. Le joujou. Ouais, non, bah ouais, sans les dents, c'est quand même compliqué de parler. J'avoue que sans les dents, là. Même pas avoir le bas là, c'est compliqué, ouais. J'ai un ami qui ne veut pas se filmer, mais il est à côté de moi. Ça le fait rire. Ça le fait rire, lui. Alors. Mais si je mets il y a 15 ans pour faire ça, on a pas fini. On a 16 minutes, alors attendez, hop. Mon collègue est parti et je me suis mouchée un petit coup et voilà. Donc j'avais pris ça aussi. Il n'y a qu'une planche hein, dedans. Mais voilà, j'avais pris ça. C'est des demi-perles, des petits strass, des demi-perles en strass quoi. Pas mal de couleurs différentes. Voilà. Ensuite, j'avais pris ça. Alors, c'est des feuilles A4 qui sont autocollantes. Et dedans, j'en ai 10. Donc, c'est pas mal. Enfin, bon, en tout cas, je suis contente d'avoir ça. Je voulais tester. Donc, c'est cool. Ensuite, j'ai repris. Je ne vais pas les ouvrir parce que vous les connaissez. En fait, j'en ai beaucoup passé. Et en fait, je les aime beaucoup et j'aime bien. J'aime bien faire des choses avec. Donc j'en ai repris et en plus c'est à peine moins cher que la première fois que je les avais achetés. Donc autant pas s'en priver. Mais je ne les ouvre pas parce que vous avez déjà vu une fois. Je les avais dans les tutos sur un plus régulièrement. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, où est-ce que... J'aime bien quand ils sont équilibrés comme ça. Faire une petite carte après avec une petite pochette ou je sais pas quoi. À glisser dans les jumps ou rien quoi. Donc, ils sont par combien? Par 3. 1, 2, 3. Ils sont par 3. Ils sont par 3 et. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça y a 12 modèles. Arrête, Wana, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est bon. Donc, il y a celui-ci. Ça va être plus pour l'hiver. Mais moi, je suis assez comme ça. Hein. Souvent, l'hiver, j'en sers des trucs d'été. Et l'été, j'en sers des trucs d'hiver. Faut pas trop chercher. Celui-là, ça fait un peu église, hein, celui-là, ou je sais pas, cathédrale, ou petite chapelle, ou j'en sais rien. Entre la chapelle, la cathédrale, le grillé de marche. Bah, ça fait un peu religieux, je trouve. Moyen fan de ça, vous voyez, celui-là, moyen fan. Il va sûrement être déchiré, découpé. Voilà. Après, il y a celui-ci. Ce que vous entendez, c'est mon cheval, là, je vous ai dit, j'ai mis en route. Donc, il y a celui-ci. Celui-là. Ils sont jolis. Hein. En fait, c'est des portes ou des fenêtres d'entrée à chaque fois. Mais moi, j'aime bien parce que quand vous découvrez,
et comment vous positionnez votre truc, quoi. J'ai l'impression après, vous pouvez faire comme si une petite femme dedans, vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien cette idée-là. Il y a ça. Trois comme ça, bien sûr. Joli celui-là, j'aime bien. Après la vidéo là, du retour de Temu, là, je vais prendre un de. J'ai sorti tous les cahiers, ce genre de trucs, quoi, tout ce qui est cahiers, calepin, tout ça qui est vierge, en fait, je n'ai encore rien fait dedans. Je vais en choisir un et je vais venir y noter toutes vos adresses et tout ça. Comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre parce que moi et les mails, comment vous dire? Voilà quoi. Voilà pour cette première. Petite série, je les trouve bien sympa et en plus j'en ai pas forcément dans ce style pour cet hiver, donc ça sera très très bien. Hop, on va mettre du côté. On va pousser ma feuille, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celui-là. Hop. Ah, j'aime beaucoup. Alors regardez. On va en faire ça. Je vais vous faire un tuto de ça. Parce qu'en fait, ça peut très bien vous servir si vous n'aimez pas les marque-pages longs, comme je vous ai fait une fois un tuto. En fait, vous avez ce système-là de marque-pages. Donc, je pense qu'on en fera ensemble un ou deux pour essayer, voir si c'est sympa à faire ou pas, quoi. Ils sont par 1. Bon, c'est pareil, ils sont par 3. Alors, j'arrive pas, bien sûr. Alors, ceux-là, ils sont jolis. En plus, ils sont un petit peu, vous voyez, découpés bizarrement sur les côtés. Moi, le seul truc, c'est que souvent, quand je m'en sers, ben, en fait, voilà quoi. Et on voit pas les côtés. Donc, comme ça, plié, je les enlève. C'est un peu tout le même style là. Hein. C'est les fleurs, le vintage un peu. Non, je sais pas. Alors, elle parle de vintage, il y a Chablis. Moi, Chablis, je n'arrive pas à comprendre c'est quoi en fait la thématique. Enfin, je ne comprends pas. Il faut que je regarde comme il faut des chaînes pour comprendre la différence entre les deux, vraiment. Parce que je ne panne pas la différence. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Celui-là. Comme ça. Hop. Et comme ça. Comme ça. Là, vous avez celui-ci. Pas mal celui-là. J'aime bien. Et celui-là. Voilà, putain, j'ai chaud. Ouh, j'enlève une couche là. Parce qu'en fait, la chaleur, j'ai l'impression qu'elle vient que ici. Elle ne va pas en fait dans la pièce à côté. Donc c'est un peu pénible. Mais bon,
que voulez-vous, c'est comme ça. Hop, voyez. Ensuite, là, c'est un peu des portes, hein, c'est des entrées en fait de maison. Donc c'est un peu forestier, tout ça quoi. Alors, les papiers comme ça, en vrai, avec l'arcolage, mais ça peut aller très vite en fait de les passer. Après, pour le reste, c'est sûr, c'est... ça peut être moins... Ah, c'est dans un petit... C'est comme dans un petit bouquin, c'est cool. Donc, il y a ça. C'est pareil, il doit être au moins par deux, hein, je pense. On va voir. Suite. Ah, par trois. Après, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Putain, j'ai failli penser à voix haute un truc là encore. Non, parce qu'en fait j'ai appelé mon gamin. Non, il faut que je lui dise en fait. C'est... faut que je lui dise mon sac. Ok, alors c'est comme d'hab, il n'y a jamais rien à raconter, il se rappelle jamais de rien. De toute façon, papa est derrière, hein, pas de problème. Et donc, comme par hasard... Ah, attendez, j'ai ma Thalie qui veut rentrer, donc j'ai pas envie que... voilà, je reviens. Elle voulait rentrer, mais elle voulait pas rentrer. Puis, genre, qu'elle soit dedans, j'ai envie de vous dire, là. Même, on dirait qu'elle avait du mal à sauter, quand même. Puis, il y avait celle-là. Je sais pas si je vous montre pas, du coup. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, là. Ah, c'est un peu punk. Ouais, je trouve pas ça punk. On n'a pas la même définition du mot. Eux et moi. J'aime bien quand c'est présenté comme ça en vrai. On a des jolis, hein. Donc, pareil, par 3. 12 modèles. Chaque fois c'est pareil un peu. Pour le nombre en tout cas. On a des sympas, hein. Franchement ça va. Je sais pas si je vais tout faire parce que la vidéo elle va durer 15 ans là. On va déjà être pas loin de la demi-heure. Celui-là. Et celui-là. Je vous montre, c'est chiant. Je fais comme ça. Comme ça, je vous ai montré, hein, comme ça. Il y a la femme, c'est une femme.
ça. Il y a ça. Et comme ça. Qu'est-ce que vous faites ? Là, plus dans les tons gris blanc. Allez, putain, ouais, d'accord. Ils ont fait des bordures, je n'ai même pas calculé. Donc là, il n'y en a que un par un à chaque fois, je pense. Hein. Et les bordures. Bon, moi, j'en ai, hein, je crois bien. Hein. Mais comme j'ai un truc qui va pas bien. Bah à chaque fois je m'en sers pas parce que j'ai trop peur d'abîmer mes papiers en fait. Ah je vous ai fait un truc, on s'est programmé. Là, je me dis putain j'aurais eu cela là. Très cool. D'accélérer un peu parce que ouais. Moi j'aime bien regarder hein, des hauts, tout ça, tout ça. Mais là, bah, comme là il n'y a que vraiment des papiers, des stickers, au bout d'un moment on se lasse forcément. Hein. Moi la première, quand il y a un peu tout, c'est pas pareil. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, moi pour moi, moi j'aime bien les. Quand je regarde un peu les vidéos. J'aime bien, sur il y a un Hulk, il y a un peu tout là. Vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers de stickers encore une fois. Il y a des beaux, des beaux, des beaux, des beaux. Ah, j'adore comment c'est présenté vraiment. Hein, c'est un truc de petit cartable. Il y en a beaucoup là-dedans. Je ne vous rappelais pas. Il y a 15 modèles. Par deux cette fois, donc là est-ce que vous les voyez? Ah, vous les voyez à l'envers, vous mettez comme ça, ouais c'est mieux. Il y en a des jolis hein. Là de très très jolis. Je vais redescendre un petit peu le truc du coup. Après, je sais pas ce que je vois, faut pas trop que je bouge, sinon vous verrez plus. De la fleur. Elle est jolie celui-là. L'oiseau, là, j'aime bien. Et ça. Petit renard, oiseau. Oui. Château. Des fleurs, fenêtre avec une femme, un autre style un peu plus rose noir quoi, j'aime bien ce genre de papier, vraiment j'adore, il est très joli aussi avec la danseuse. Hop, violon. Ah ben, trop joli ça. Très très joli. J'adore. Il y a un bon thème musique danse là, je kiffe. Ah grave. Ah ils sont vraiment
Ah, ça, c'est beau. C'est des papiers que ça, ce genre de papier. Ouais, je pourrais les avoir en 30 par 30. Je serais la roi du pétrole, quoi. Ou au moins en 20 par 20, quoi. Des petits chaussons de danse. Et là, on rechange de style. Il y a toujours la partition, là. Je dirais un papier sur comment un thème, le lac des cygnes. Je sais pas, cygne noir. Ah, c'est écran français, trop bien. Voilà, c'est un truc écran français. Classique. Ah, c'est très joli, franchement. Je regrette pas du tout l'avoir pris celui-là, vous voyez. Et celui-là, ouais, oui, c'est un mail, je vais vite passer. Je pense. Ah merde. C'est quoi le délire? La crotte, c'est quoi ce délire? Bref, je regarderai après. Ça a bougé, je peux plus m'imaginer. Comme ça s'est recollé n'importe comment, on dirait. Ouais, on le regardera après. Aïe! Alors, je vous jure, mais même pour moucher, je ne peux pas me moucher comme il faut parce qu'en fait, je peux pas pincer mon nez, quoi. C'est un truc de malade. À cause des dents, en fait, d'en haut, qui m'ont enlevé. Et que l'appareil aussi m'a blessé en dessous du nez à la gencive. Et ben, du coup, j'arrive vraiment plus à moucher non plus, quoi. C'est un truc de malade. C'est horrible. J'allais super doucement. Bon, je réglerai ce problème-là après. Mais il était tout nickel. J'ai ouvert tout nickel. Et là, ça veut plus. Pourquoi? Comment? J'ai vraiment que ça a bougé, quoi. Alors que bon, je sais pas. Je comprends pas. Je vais me couper en plus à la fin non plus. Bon, bref. Passons. Ensuite, j'ai pris celui-là. Donc, c'est des chouettes. Alors, pareil, présenté comme ça, dans une petite pochette comme ça. Il y a 8 modèles. Et là, ils sont 3 aussi à chaque fois. Donc, il y a celui-là. Un papillon comme ça. Vraiment joli. Putain, je kiffe. Celui-là. Celui-là. Pas mal, hein, quand même. Ah, je suis contente. Vraiment. Hop, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma Freya? Viens. Bah oui, maman. Elle est là, maman. Là. Je suis là. Bah viens. Maman. Viens vers ta maman. Oh, mais c'est trop bien. Ils sont écrans français. Donc, maison meublée. Appartement et champ confortable. Madame d'amour. 62 rue quelque chose dans le 62 1905. C'est marrant, j'adore. Viens là, arrête de mouiner.
celui-là. Et celui-ci. Je les trouve vraiment super jolis. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est produit Junk Journal. 30 pièces, il y a. Écoutez, moi, je vous donne pas les pieds, les prix, parce que de toute façon, leur prix change sans arrêt. Voilà. Je vais montrer ça, ça. Alors ensuite, j'avais repris des comme ça, vous savez. Moi j'aime bien pour rentrer, parce que ça va super bien, mais ça s'abîme très facilement. Ensuite j'ai pris également un truc comme ça, un petit calepin comme ça. Pardon, hop. C'est des étiquettes à découper, vous voyez. Je crois que c'est toutes les mêmes. Ah non, putain, pardon, patate. Bah, à quelque chose près, hein. Mais ouais, c'est des petites étiquettes comme ça. Toutes simples, toutes... Il y a trois modèles. Ah, mais il y a c'est bizarre. Ah, mais en plus, ok. Ah, c'est cool, j'avais pas fait attention. En fait, regardez, elles sont prédécoupées derrière. Je sais pas si vous voyez. Les petits pointillés. C'est pas mal foutu, hein, quand même. Ensuite, j'avais pris un rouleau comme ça. Wana ! Putain, mais c'est dingue ! Oui, bah, tu peux souffler, hein. Tu dis un truc, elle souffle, la chienne. Oh, les quatre, les coups, hop. C'est on dirait un peu sur le thème des salons de jardin, un peu comme dans un, comme dans les patios, je sais pas comment dire. Différents. Je sais pas si vous les voyez bien, parce que en plus, désolé, je ne vois rien moi. Donc normalement, j'essaie de faire plus attention. Là, ça, je vois pas du tout en fait. Je veux pas faire attention à un truc que je ne vois pas en fait. Tout simplement. Bon, ils ont pas l'air d'être prédécoupés par contre. Je sais pas, à voir quand je les testerai. Par contre, leur petite leur attache comme ça, c'est pas mal, ça abîme pas. Ça, ça arrive à recoller. Je trouve que c'est cool. J'aime bien ce petit système. Ensuite, j'ai pris un truc sur le café à côté. Là. Un petit thème café. Vous prendrez bien une tasse de thé. Oh, c'est petit, 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 petit. Voilà, c'est des petites étiquettes comme ça, autocollantes. Donc il y a les fruits, des cupcakes, des petits cupcakes, il y a plusieurs choses différentes. C'est vraiment petit, hein. En même temps, là, quand c'est dans les boîtes comme ça, c'est petit. Mais bon, tout ce qui est petit est mignon. Coffee, là. Je vais pas tous les montrer, je les mets comme ça un peu. Je
pas l'air d'être en double. Hein. En tout cas, comme ça. Alors, il y en a combien là-dedans? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne vois pas. Je pense qu'il y en a une petite trentaine. Mais apparemment, ils ne sont pas en double. Non. Écoutez, j'en ai pas vu un seul en double. Autant j'aime bien quand c'est en double pour certains. Autant bon, ceux-là, c'est très bien qu'ils ne soient pas en double, en fait. Vous voyez. Parce que c'est pas quand même ce que je vais forcément aller me servir le plus. Donc voilà, voilà. Mais j'aime bien quand même. Ça fait bien plaisir. Alors oui, en fait, monsieur Stumarté. En fait, mon gamin dit, oh, on rentre de chez papy. Mais en fait, le père à mon gamin, quand il bosse, qu'il a de la thune, sa famille n'existe quasiment plus. Ou alors là, ça y est, ça fait une semaine, la semaine d'avant, c'était ça, après sa mère qu'il était. Bon, là, il change, hop, maintenant, il a pris son père, parce que, bah, forcément, il n'y a plus de thune, nanani, nanana, donc, bah, tout ce qu'il peut gratter, gratte, hein, forcément, hein. Voilà. Quand on va pas au travail, voilà ce qui arrive. Bref, passons. Là, c'est des petites nanas. Je vais pas toutes vous les montrer. Je vais juste les poser un peu comme ça pour que vous voyez leur style. C'est un peu le style cool, cringe, voyez, rock. Ah, il y en a des jolies, hein, franchement. Ça gère, hein. J'aime bien. Ouais, ouais, c'est un peu ce style, voilà. Rock, grunge. Voilà. Je suis désolée de ne pas montrer un par un, parce que j'arrive pas à aller vite. Et la vidéo va durer 3 heures pour voir 3 merdes. Hein. Enfin, pas 3 merdes, mais... C'est une façon de parler quand j'ai 3 merdes, hein. Attention. N'allez pas croire je sais pas quoi. Alors là, j'ai le pratiquer. Comme certaines peuvent croire. Moi, je me sers de tout ce que j'ai. Et faut quand même bien se dire que... j'ai eu la chance de beaucoup récupérer à droite, à gauche, du matériel, de tout et de rien. On me donne régulièrement des choses. Donc j'aime bien, enfin, après j'aime bien aussi avoir des trucs qui sont vraiment à moi, je sais ce que moi. Quoi. Vous savez, c'est comme les fringues, j'ai beaucoup d'habits que je récupère et que, qui sont pas à moi, donc enfin crotte quoi. Donc là c'est thème rose, noir, vous voyez, hop. On a des super bons, je trouve, j'adore. Voilà, c'est tout sur le thème des roses noires. Ça tombe très bien parce que j'ai un papier en comme ça, en rose. Des roses noires. Ah, il est super beau celui-là. J'aime beaucoup. Hop. Là, elles ont l'air d'être en double. Ah, il est trop joli aussi celui-là, rien. J'aime beaucoup aussi. Voilà, ouais, c'est le thème des roses noires. Bon, prioritairement le noir, mais c'est noir et blanc. Puisqu'on a certains avec du noir et du blanc. Voilà. Non, vraiment, ils sont top. Top, 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 top. Ça, j'ai pas. Alors, le truc là. Hop. Voilà, j'en avais pris un paquet, mais j'en avais pas pour cher. J'en avais pour dans les 35 ou 36 euros. Je me suis repris des doigts
parce qu'en fait je me suis pas rappelé que j'en avais pris dans la commande d'avant. Je croyais que j'avais encore oublié et ils étaient un petit peu moins chers, donc je les ai pris. Enfin, on verra bien. Il faut déjà arriver à penser à les mettre. J'avais pris, j'en avais déjà, mais dans les tons bleus, les petites bulles comme ça. Mais j'ai pris en rose cette fois. J'ai repris, je vais pas les ouvrir parce que voilà, mais j'ai repris des papillons dans ce style, comme vous avez déjà pu voir dans l'écran, sauf que peut-être les autres c'était plus dans les tons verts, et là c'est plus dans les tons jaune-orange. Ensuite j'ai pris pour l'automne un peu, parce que j'en ai pas grand chose, donc des feuilles d'érable, voilà. Pareil je ne voudrais pas parce que c'est que ça vraiment, c'est que des feuilles d'érable, tout ça quoi. Voilà. Je vais dégoûter. C'est pas grave. Là, je suis dégoûtée parce que j'ai fait une board jungle et voilà ce qui arrive aujourd'hui, quoi. Je suis dégue. Ils sont très jolis. Moi, je referai, c'est pas grave. Que les singes, que les félins, ou que si, ou que ça, que les girafes, que... Ouais, ils sont pas mal, hein. Bah, écoutez, j'accélère un petit peu comme ça pour, voilà, ils sont très beaux, je les aime bien. Ouais. Voilà. Je vais me mettre à faire mes boîtes là parce que là 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 là, à force de le dire, hop, voilà pour ça. Attendez, voilà. Je m'étais pris aussi une pince comme ça, c'est pour mon collier arc-en-ciel en fait que je vous ai pas montré encore. Mais pas que. Mais en priorité pour lui, ouais. Ça pince bien. C'est balèze. Voilà. Bon, elles l'ont toutes. Hein. Soyons clairs. Toutes celles qui font de l'arcolage l'ont. Voilà. Après, j'ai aussi d'autres pinces, mais elles me marquent les pages, en fait. Elles sont un peu trop... Voilà. Alors, voilà pour ce retour de Temu, en fait. Clairement, il reste 10 articles. Et... je pense que la vidéo elle est déjà très 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 longue, donc je pense que le reste ce sera pour plus tard, parce que c'est en plus que des stickers. Voilà quoi, voilà, voilou. Et puis il y a un peu de suspense dans les créations, si vous voyez tout en retour de course ou de retour de colis, il y a juste la création, comment dire, il n'y a plus vraiment de suspense, ou est-ce que vous savez après tout qu'est-ce qu'on a ou pas, voilà. Bon, c'est mon idée à moi, attention, hein. Donc oui, j'ai encore 10 articles. Donc, je pense que je vous les montrerai, oui, bien sûr, mais demain peut-être. Voilà. Peut-être avec, comme je voulais aller à Nose, mais je ne suis pas allée, eh bien, je me dis peut-être. Pardon, je vais bailler. Peut-être avec mon retour Nose. Voilà, je vous mettrai les 10 petits articles, bon, c'est que les stickers, comme je vous dis. Sur ce, ma YouTube compagnie, je vais vous souhaiter une belle soirée. Vous n'allez sûrement pas voir la vidéo ce soir, je pense pas, je sais pas. Mais moi, je vous souhaite quand même une bonne soirée. Puis si vous la voyez demain, ce sera une bonne journée. Il suffit de convertir ce que je dis, si on peut dire ça comme ça. Et puis de prendre soin de ceux que vous aimez. De leur dire, de les toucher, de les bisouiller, de les taquiner, de les... Voilà, qui aiment bien, châtient bien. Et surtout, de ne pas trop faire les fous.